Bien le bonjour YouTube, salut, ça va? Yo, coucou. Ouah, pff, le rouge derrière, c'est terrible. Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live. Nous sommes actuellement le 18 septembre 2024. Il est 20h20 d'ailleurs. Bonjour le YouTube Game, ça va? Il est 20h20. Et nous nous retrouvons ce soir pour la suite et fin de notre Let's Play en seulement deux épisodes sur le jeu d'horreur Madison, qui est un jeu d'horreur que nous avons commencé la semaine dernière, qui était plutôt pas mal. Effrayant, mais sans plus non plus. Il était pas non plus genre, ah, j'en peux plus et tout. Vraiment, j'ai pas ressenti ça. Parce qu'en fait, il y a très peu de jumpscares gratuits. Il y en a, je vais pas vous mentir. Plus on avançait dans le jeu et plus on avait. Et là, j'étais en mode, oh non, dommage, ça partait bien. Mais sinon, mis à part ça, le jeu fait peur sans non plus faire trop peur. Par contre, qu'est-ce qu'il est beau graphiquement, qu'est-ce qu'il est immersif, et il a des petites énigmes vachement intéressantes. Bref, j'ai passé un très bon moment la semaine dernière et on s'est arrêté pile poil à la moitié du jeu que nous allons continuer, terminer aujourd'hui. Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour tout le monde, bonjour le chat, bonjour à tous, je bois de l'eau. L'eau, ça fait plaisir. Alors, on va couper cette petite musique, même si elle est très chouettos. On va ouvrir le jeu. Je pense que Steam n'est pas enclenché là. Mise à jour de Steam. Ah, quel plaisir. Ouh, j'étais rapide. Titre. Non, Steam, tu t'ouvres ou pas? Steam, est-ce que... Oui, Steam s'ouvre. Donc je le ferme. Voilà. Madison s'ouvre. Parfait. Il faudra vérifier le son du jeu s'il n'est pas trop fort, voire trop faible. Écran de gameplay, c'est ici. Écran du jeu, Madison, c'est ici. Hop, le jeu, on l'ouvre là. Ok, vous devez avoir l'image du jeu normalement. Pour l'instant, il n'y a pas de musique. Ah, ils ont fait de la pub pour un prochain jeu. Ah d'accord, stylé, ok. Bon, j'avais pas vu ça la première fois que j'avais lancé le jeu, autant pour moi. Ce qui est bien, c'est que l'écran titre nous rappelle l'endroit où nous sommes arrêtés, cette espèce de couloir avec plein de portraits. C'est fluide, bah normalement c'était fluide la semaine dernière, donc il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. J'espère que c'est pas trop fort pour vous. On va faire histoire, on va faire charger. Voilà, on est à 55% du jeu. Et puis voilà, j'espère que ça va reprendre pile poil là où on s'est arrêté tout de même. Hein, tout de même. Et puis voilà. Par contre, voilà, mon seul problème, ça va être que je vais certainement oublier des choses qu'on a fait la semaine dernière. Il y avait beaucoup d'éléments dans la maison où on se disait, oh, alors là, il faudra qu'on revienne plus tard. Ici, il y a un loquet, ici, il y a un cadenas avec un code, ici, il y a une porte fermée. Il faudra qu'on revienne plus tard quand on aura la clé, quand on aura la combinaison. Bon, il y a des chances que depuis la semaine dernière, il y a certaines choses que j'ai oubliées et j'en suis navré. Alors, j'ai un bouton pour courir, non? Oh là là, mais il faut que je me rappelle un petit peu des boutons, là. Bon, c'est fluide normalement chez vous. Alors, je peux courir comme ça. Je peux prendre la photo comme ça, ouais. La photo me révèle des trucs cachés des fois. Il faut que je la secoue un peu. Voilà, il n'y a absolument rien de caché. Et après... Voilà, là, par exemple, il y a un truc. Alors, comment j'interagis? J'ai un crâne? Le crâne de Madison? Putain, je me rappelle pas de ça. Bon, cette planche-là, je peux toujours pas l'ouvrir. Bon, en vrai... Je me rappelle que dans le dernier stream, on avait dit « Waouh, tu m'as fait peur ». C'est vrai qu'il y a cette statue qui se téléporte un peu partout. Dans le dernier stream, on avait dit « Bon, quand on reprendra, il faudra qu'on fasse ça ». Bon, ben, je vous avoue, je sais plus ce que c'est le « ça ». Je sais plus ce que je suis censé faire. Non, j'avoue que je sais plus ce que je suis censé faire. Est-ce que quelqu'un se rappelle par hasard? Ah, le téléphone sonne. Ah, non mais attends. Je crois qu'on l'avait déjà vu ça, le téléphone qui sonne. Et on s'était arrêté vers là, je crois. John ! C'est la quatrième fois que j'essaye de t'appeler. Prêtre Thomas... Oh, c'est dur à dire ça. Prêtre Thomas, là, pareil. J'ai enfin pu obtenir les informations que tu m'as demandées. Et la vérité, c'est que... Je m'inquiète pour ta famille. En général, les démons essayent d'accomplir des rituels simples. Ça, on l'a déjà lu, ça. Pour moi, on l'a déjà lu tout ça, donc je crois qu'on est revenu un petit peu en arrière. Hein. La sauvegarde, elle s'est faite un peu en avant. Pour accomplir ce rituel, vous devez vous débarrasser d'un objet ayant une valeur sentimentale pour vous. Offrez-le en sacrifice. Bon, après, ça nous remet dans le bain, tu me diras. En raison de leurs méfaits, de leur malhonnêteté, les praticiens de la sorcellerie se sont retrouvés hantés à leur tour. Ils avaient l'habitude de voler des bijoux afin d'éviter d'effectuer eux-mêmes les sacrifices. Avec leurs propres effets personnels. Ah non, on l'a pas eu? Ah non?
Il paye le prix du sacrifice avec les émotions. Ces êtres pervers essayent d'aller encore plus loin que ça. Je parle d'un ancien rituel très peu connu. 7 sacrifices, 7 mutilations. 7, c'est beaucoup quand même, 7. Oh, attends, l'appel est terminé. Je crois que nous sommes confrontés. Madison, elle, essayait d'accomplir un tel rituel juste avant d'être assassinée. Et maintenant, elle force votre enfant à l'achever pour elle. Elle essaye de voler le corps de votre fils. Appelle-moi dès que tu reçois ce message. Bon. Je me rappelle qu'il y a une porte fermée. Il faut vraiment une cisaille, moi. Un sécateur, une connerie comme ça. Moi, j'ai absolument rien pour ouvrir des trucs. Ah ouais, vous pensez qu'on l'a jamais eu, cet appel. D'accord. J'ai dû m'arrêter juste avant. Mais alors du coup, rappelle-moi qui me dit, mais... Bon, moi, on m'a dit, fais attention aux cafards. D'où ils viennent, ou alors où ils vont. Moi, je vais les suivre. Donc, ça sent pas bon, cette histoire. Oh! Une clé. Le... basement, le sous-sol. Je pense qu'il y a autre chose sous cette planche. Eh oui, mais... tu n'as pas de pied débiché. Bon, peut-être que dans le basement, j'ai trouvé un pied débiché. De toute façon, depuis le début du jeu, on sait que, enfin, on le sait pas, mais on espère que tôt ou tard, on possède un pied débiché. Je ne peux pas concevoir le jeu sans pied débiché. Je ne peux pas me dire qu'il n'y en aura pas. Attends, mais c'est une clé rouge, mais la porte rouge, on l'a déjà ouverte, si je me rappelle bien, la porte rouge. Non ? C'est bizarre, ça. Merci, mademoiselle amoureuse, pour les 43 mois de resub. Merci beaucoup. Bon courage. Et ici, on avait tout fini, de ce que je me rappelle. C'est bizarre qu'on revienne là. Ah, c'est fermé. Ah bon ? Bah, putain, mais c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on refait un truc qu'on a déjà vu. Mais ça mène à l'extérieur, ça. Ça mène pas du tout à l'extérieur, ça. Vous êtes là, vous. Bonjour. Ah, la porte s'est fermée derrière moi. The crowbar in the basement. Allez, ça recommence. Super. Mais putain, mais vas-y, je vais être épileptique. Je dois chercher un truc. Il va y avoir un visage qui va me sauter dessus. Ça va être un plaisir. Oula, what the fuck? Wow! Ping. Ping. Qu'est-ce que tu dis? The crown bar in the basement. C'est quoi le crown bar? Oh putain, on est dans un nouveau... Oh putain, c'est un nouvel arc qui vient de se lancer là, un nouvel acte. Dès qu'il y a une sauvegarde, c'est-à-dire qu'on y est pour un moment ici. C'est-à-dire qu'on va pas bouger. Dans l'église où on avait l'énigme avec les lampes. Ouais, l'église avec les lampes, c'était pareil. Hein. Ça voulait dire qu'on y était pour une bonne heure, en gros. Je peux prendre un truc? Non, pas besoin. Enfin, pas besoin, j'en sais rien d'ailleurs. Je peux stocker. Oh, il y a du beau chelou. Hein. Ouais, je sais pas, non, j'ai touché à rien pour l'instant. Wow! The fuck? Comment? Attends, il y a un truc qui vient de quoi? Putain, il y a un truc qui m'est tombé dessus là? Wow! Mais attends, mais c'était censé me tuer là? J'ai fait les choses bien, j'ai fait les choses pas bien? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Putain, vous l'avez pas vu? Il y a un truc énorme qui m'est. Enfin, il y a un corps qui m'est tombé sur la gauche, qui a frappé le sol, et il a disparu d'un coup. Oh, ok. Quand j'éteins la lumière, ça fait bouger les casiers. Ça fait bouger les casiers. Ah non, mais là, vous l'avez vu. Vous l'avez complètement vu. Ça fait danser les oiseaux. Mais j'ai pas de lampe torche, moi. Hein. Aux dernières nouvelles. Hein. Qu'est-ce qu'il attend de moi, le jeu? Je suis en train de déplacer tous les machins.
Oh. 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 Oh putain, sa mère, c'est le pied des bichets. Oh con. Pouah. Le pied des bichets. Les pieds. Le pied de la biche. C'est les pieds. Oh, ça c'est trop chiant ça. Mais c'est super chiant le jeu, arrête de faire ça, on voit pas. Ah, j'ai pris 100 photos dans le jeu. Et cool. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Y'a pas une... D'accord. D'accord, en fait je l'avais fait un peu trop tôt, j'ai l'impression. D'accord, il veut pas. Faut que je les fasse fuir toutes. Ou c'est peut-être toujours la même, je sais pas. Non, il y en a plusieurs. Peut-être qu'il faut que je les prenne dans le même axe. Ah, ça marche plus. Ça marche plus. T'es sûr que ça marche plus? Ouais, ça marche plus du tout. Je peux passer. Ça vous dérange pas si. Mais attends, j'ai rien compris là. J'ai absolument rien compris. C'est vraiment fini déjà? Putain, je vous ai dit qu'on allait y rester pendant une heure dans cet endroit. Cette femme. Elle n'apparaît pas sur les photos d'une manière ou d'une autre. Les photos d'elle. Elle brûle. Oh, il m'a éteint la lumière. Ah, ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est pas très sympa, ça. Parce que moi, j'ai peur, là. J'ai peur. Y'a personne. Y'a personne, je m'en fous, y'a personne. Tu peux pas me courir dessus, y'a personne. Bon, j'ai le pied des bichets à utiliser à deux endroits différents. C'est les pieds des bichets. Incroyable. Ça fait des années qu'il me suit ce truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, une bague. La bague mentionnée dans son journal. Elisabeth et Albert Maxwell. Formidable. Ravi. Oula, oula. Oh putain, mais à chaque fois ça lui fait ça. Enfin, à chaque fois, non, mais de temps en temps. Mon dieu, mes yeux brûlent. Mais je suis étonné qu'il m'ait proposé de... d'avoir accès à mes objets dans mon casier. Alors que j'en avais pas du tout besoin. Enfin, je sais pas trop quoi penser. Ouvrir le carnet ? Ah, c'est une chaise! C'est une chaise dans un œil? C'est pas un œil. Si, c'est un œil! Hein? D'accord. Moi, je connais un autre endroit où je dois aller faire les pieds des bichets. Alors, j'y vais. Et j'y vais même douce pro. Et cet endroit, c'est là-haut. J'ai pas oublié. C'est sûr qu'une chaise dans l'œil, c'est pas très agréable. Ça fait pas du bien, quoi. Là. Mon pied de la bichée. Okay, je me sens tellement plus en sécurité. Maintenant que j'ai un pied des bichées. Oh. Si vous trouvez ça, ne l'écoutez pas. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Évidemment, je vais pas du tout aller l'écouter. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Vraiment pas. C'est mieux qu'une poutre. C'est mieux qu'une poutre. C'est pas ce qu'elle disait, j'imagine. Alors, nous, on va l'écouter la cassette. On va arrêter de dire des bêtises. Ça va bien 2 minutes. J'ai pas perdu mon pied des bichets, non? Pourquoi tu dis ça? T'es malade, mais moi je le garde jusqu'à la fin du jeu. Hein. T'es un ouf. Alors. Surtout n'écoutez pas ça. Et là, game over, t'imagines? Vous n'aurez pas dû écouter.
Bon, j'ai peur, je perds la tête. Grand-mère? Je ne peux faire confiance à personne, même pas à Albert. Si vous écoutez ceci, Blue Knees est réel. Alors moi c'est plutôt Elle is réel, mais ok. Je sais que je ne suis pas malade. Et je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Ce putain de truc. Je peux le sentir respirer juste derrière moi. J'entends cette putain de chanson. Encore et encore et encore. Et encore. Et toujours dans ma tête. Oh, Blue Knees est derrière. Il va trouver ce qu'il cherchait. Waouh, ouais, t'es vraiment malade. Depuis si longtemps, tout seul, à sa place. Blue Knees est derrière et trouvera ce qu'il a cherché partout dans la cuisine. Où il a écrit cette chanson. Juste pour toi. On appelle ça le prime en fait. Hein. Voilà. Inspirez-vous, je sais pas. Oh la notif. Ah, notif, la synchro était parfaite. Tu sais, il y a eu la mini fraction de seconde où j'ai cru que ça venait du jeu. Ah, parce que ça s'est vraiment arrêté pile au moment. Ok, pas mal. Bravo. Merci pour le prime. Foxy de la Tess, merci pour le prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Merci Pilkio pour les 2 mois de resub. Merci beaucoup. Ah, ça m'a enlevé toute crainte instantanément, bravo. Bon, et ça, je peux pas l'ouvrir avec un petit pied des bichets. Non, je peux pas. Ah non, j'ai un truc dans l'œil, à l'aide. Ça a l'air d'aller. Ça, c'est toujours fermé, ok. Bon, eh ben, on l'a écouté finalement, la cassette qu'on devait pas écouter à l'aide. Mais alors, cette histoire de bague là. Est-ce que le pied d'épiché peut être utilisé pour péter les chaînes des toilettes? Je crois pas. Hein. Je crois pas du tout. Je peux essayer, ça coûte rien. À part quelques secondes. Ça coûte. Voilà, ok. Ça, cette porte est toujours fermée, ça change pas. La porte derrière n'est pas accessible, d'accord. Donc la porte rouge, on y est allé, il n'y avait rien à faire. Là, c'est une montre. Là, il y a cette porte qui est toujours fermée. On peut rien y faire. Là-bas, il y a 2 coffres forts, mais j'ai toujours pas les codes pour les ouvrir. J'essaie de réfléchir à ce que je dois faire, ce qui me reste à voir, ce qui me reste à aller faire à le pied des bichets. Je vois pas où est-ce que j'aurais pu l'utiliser ailleurs. Et au début de la maison, on a plus des... On a un truc avec un code. Et on a ces machins là à mettre que j'ai toujours pas à débloquer. Oh, ça n'a jamais été là. Hein. Bah ouais, d'où viennent-elles? Bah ouais. Oh putain, elles attendent un truc. Ah, elles veulent que je leur mette un truc dedans. Bizarre ce que je viens de dire. Ça, je vois exactement où je vais le mettre. Rituel d'échange de corps. Je dois mettre un terme à cela. Un objet à valeur sentimentale. Genre une bague. 7 sacrifices. 2 corps. Un invité. Et un hôte. Cendres humaines. Il va falloir que je le relise 2-3 fois celui-là. Bon. La clé, je sais parfaitement où je vais la mettre. C'est juste là. À droite, normalement, oui. Ici. C'est vraiment la porte qu'on a vue au tout début du jeu. Et oh putain, et maintenant elle est ouvrable. Waouh. C'est vraiment la première porte. Putain,
putain, le boucan. C'est vraiment la toute première porte du jeu qu'on a vu fermée. C'est très étonnant de pouvoir l'ouvrir maintenant. Oh putain, ça descend. Je peux pas prendre la scie circulaire là pour me défendre. Oh! Ça vient du journal de grand-mère, les mémoires d'Elisabeth. Le 15 juin 1972, je déteste quand Albert passe la nuit à travailler. Ça va le chat au fait? Pardon, hein, je suis parti en mode full let's play là, ça va? Tout est correct pour vous au fait? Le son, l'image, tout ça, je vous ai pas trop demandé là en début de stream. C'est bon, on trace, on y va? On fonce, on avance? On peut? Ouais? Ok? Et ça va vous? Heureux d'être là? Moi je suis heureux d'être là. Impec? Oui, nickel, oui, tout va bien? Ok, cool, bah nickel. Dès qu'il commence à faire noir, c'est comme si le monde tournait en sens inverse. Il y a des grincements dans toute la maison. Et la maison, je sais que ma vision se détériore, mais hier je me suis perdu dans ma propre maison. Et ce n'était pas à cause de ma vue. Les pièces se déplacent, et je n'arrivais même pas à trouver ma propre chambre. Nous ne sommes plus en sécurité ici. Plus maintenant. Pas avec cette chose qui vit parmi nous. 16 juin 1972. Albert s'est mis en colère contre moi, car j'ai allumé des bougies dans toute la maison. Mais pour une raison que j'ignore... Je pense que la lumière nous protège. D'accord. Et la porte s'est fermée. Bien évidemment, cela va de soi, en fait. Ouh, cet endroit était cloué. C'était condamné. Il devait y avoir quelque chose d'utile ici. Ouais, du courage, peut-être. Un truc comme ça pourrait être pas mal, non? Oh, ah, il m'a demandé 7 cadavres ou je sais pas quoi. 7... Oh! Enfin! La cisaille que je cherche depuis le début du jeu, il était temps. Oh mais ces bruits sont affreux. Donc il va peut-être falloir que je découpe un cadavre en 7 ici. Par contre ça... comment... Ah oui. Merde. Il va falloir activer lui aussi et ça va enclencher la machine, j'imagine. Très bien. Et là, qu'est-ce que tu veux que j'y mette, moi? Le petit crâne? Bah, pas grand-chose, en fait. Hein. Pour l'instant, j'ai rien à y mettre. Mais je pense que ça ne saurait tarder. What? Pourquoi mon perso... Ah, parce que je tenais la porte. Ah oui, d'accord, oh, ça m'a fait peur. J'ai pas aimé. Donc, elle disait que les bougies les protégeaient. Hein. Sous-entendu, le jour où les bougies sont éteintes, on est mort. Hein. On est complètement foutu à ce moment-là. Bon, je vais poser ma petite bague, moi, en attendant. Ça me fera un objet en moins dans mes affaires. Oui, vu la manière dont elle s'est posée délicatement, et vu que je peux pas la récupérer, à mon avis, c'est que c'était une bonne chose de la poser là. Ouais, allez, va pour le crâne, tout pareil. Après, j'ai pas d'autres objets à poser pour moi. À part le pied des bichets qui est vraiment très, très important pour moi. Ou en vrai, des photos? Non, y a rien. Pour l'instant, y a rien. Et là, c'est toujours fermé avec un code que nous n'avons pas. Bon, j'ai ma pince, j'ai plein de choses à faire avec la... Pince. C'est moi qui fais ce bruit? J'ai pas fait exprès. J'aime pas. Chiant. Chiant, j'ai un peu les boules. Donc, obligé de retourner dans la cuisine. J'ai les toilettes aussi à m'occuper. C'est peut-être les... Oui, c'est verrouillé. Bah, je sais. Eh ben, vas-y. Il est con, quoi. Il est fou. Non, mais là, c'est pas verrouillé, par contre. Y'a rien. La blague. Ça veut dire, tu te retournes, y'a quelque chose derrière toi. Ah, attends. C'est juste pour une photo? Non, tu déconnes, y'avait juste une photo? Ah merde. Bon. Bah, direction les chiottes alors. Direction le caca. Il y a vraiment écrit ne pas utiliser, ne pas ouvrir. Et nous, on fait vraiment tout ce que le jeu nous dit de pas faire.
Qu'est-ce que c'est? C'est un poids. C'est un parpaing. C'est un kéron, con. Allez, nickel. Ça marche. Ah, ça m'a saoulé un peu. Combien de fois vais-je devoir te le dire? Il n'y a personne dans cette maison. Oh, il y a des Legos. Ah non, c'est des médocs. Albert, écoute-moi. C'est juste un livre. Un putain de livre, Elisabeth. Tu vois? Il n'y a personne ici. Ça n'existe pas. Ce n'est pas réel, putain de merde. Je sais que tout ce qui m'arrive a quelque chose à voir avec ça. Je sais. C'est une maladie, Elisabeth. Pour l'amour de Dieu, tu es malade. Non, je suis pas malade. Ce livre n'a rien à voir avec ta maladie. J'aimerais que tu arrêtes d'agir comme un enfant. Oh, j'avais pas vu le bon caca, là. Arrête de cacher nos affaires et prends tes putains de pilules. Est-ce que tu penses que c'est normal? Tu penses que les élèves disparaissent comme par magie? Je te le dis, ce putain de truc. Et la cause de ce qui est en train de m'arriver. Arrête d'agir comme un enfant de 10 ans et va te coucher. Tout a commencé le jour où nous avons apporté ce putain de livre dans cette maison. C'est une maladie, Elisabeth, tu es malade. Si tu finis pas par me croire, je quitterai cet endroit. J'en ai marre, j'amène Johnny avec moi. Nous ne restons pas ici. Eh, attends une minute. C'en est trop, t'es paranoïaque. Hayley. Il est 4h du matin, Elisabeth, retourne simplement te coucher avant de réveiller Johnny. On pourra en parler demain matin. Tu vas le regretter. Tu finiras seul, toi et tes putains d'horloges de merde. Mais c'est vrai que lui aussi il a un pet au casque. Oh, j'aime pas du tout. Oh, j'aime pas du tout. Oh, je suis pas à l'aise du tout là. Oh, je me sens pas du tout à l'aise. Il y a un toc-toc, j'aime pas du tout. Oh, on va se prendre un jumpscare dans la gueule, ça va être horrible. D'accord. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poids là? C'est censé se placer quelque part? J'arrive pas à me rappeler. Est-ce que j'avais d'autres chaînes à péter quelque part? Je crois pas. Non. Non, je crois pas. Des chaînes, je crois pas. Et le poids, par contre, alors là, je suis sur le cul. Attends, je vais récupérer la cassette, je vais aller la ranger dans le... Merde. Comme ça, ça fera de la place pour plus tard. Je vais la ranger dans mon casier. J'ai les boîtes dans le casier aussi, soleil et lune. Si jamais ça peut avoir une importance pour le... Pour le truc qu'on fait. Réfléchir. La porte là-bas elle est fermée, le poids, les coffres-forts dans le bureau, dans la chambre. Bah, ah, attends, dans la chambre il y a une partie de ça là qui est toujours fermée. Qui est verrouillée. Mais putain, mais je sais pas comment l'ouvrir ça. Là ici, il y a toujours ça. On peut plus le prendre. Ah, on peut plus le prendre, d'accord. Bon. D'accord. Là il n'y a plus rien. Le jeu a l'air bien badant. Oh, il met bien, hein, il met bien. Ça va, il... En tout cas, il réveille, ça c'est certain. Ouais, là-bas, il y a les coffres. Là-haut... Bon, c'est toujours pour monter, mais là-haut, on a tout fait. Quelqu'un a une idée? Une chaîne dans le grenier à péter? Ah non, je crois pas. Une chaîne dans le grenier à péter, non, non. Non, je crois pas. Non, non, j'en suis même sûr. Et après, au début, il y a une boîte que tu dois ouvrir à l'endroit où tu as ouvert. Oula, quoi? Il y a une boîte que je dois ouvrir à l'endroit que j'ai ouvert? À l'endroit que j'ai ouvert les chiottes?
la cuisine. Quitter la maison peut-être. Alors ça c'est le but final du jeu effectivement, oui. Est-ce que je dois mettre un poids dans les statues? Mais de toute façon il me manquera toujours un quatrième objet. Hein. Non, ça peut pas être ça. Bah non, c'est vraiment écrit bloc de béton. Faut y accrocher quelque chose. La dernière porte que t'as ouvert avec les clés. Avec la clé. Avec la clé. Bah le sécateur. Là où il y avait la pince coupante. Putain, c'était où ça déjà? C'était putain d'où ça? Ah, mais c'était. Non, c'est vrai ça, c'était où? Putain, je me perds moi à force dans cette maison. Ah, mais la porte d'entrée là! La porte au tout début quoi, il y avait un truc à couper là-bas? Arrête. Comment ça, je l'ai pas vu? Il y avait un truc à couper là-bas. Là, il y avait une feuille. Ah mais quoi? Ah non, j'ai vu qu'il fallait mettre le bloc de béton là-dedans. Attends, mais qu'est-ce que t'as voulu me dire en fait? Que j'avais un truc à couper avec la machine? Mais non, ça je le savais, mais je veux dire... Moi je cherche un truc à couper avec ma cisaille, avec ma pince. On n'a rien vu à couper ici. La boîte, celle qui est rouillée. Oh, j'aurais pas pensé à ça. Amener la boîte rouillée pour l'ouvrir. Parce que c'est vrai que la boîte soleil, on a vu ce qu'il y avait dedans, mais la boîte lune, on n'a pas pu. Ah non, j'ai pas pensé à ça, j'avoue. Ou je n'aurais pas du tout pensé à ça une seule fois d'ailleurs. Ça me viendrait pas à l'esprit de la couper. C'est celle-là, hein. Je sais plus si c'est celle-là ou celle-là. Bon, dans le doute, je prends les deux. Ouais, non, si c'est ça vraiment là, ce qu'il fallait faire, ça me serait jamais venu à l'esprit. Pas celle-là. Ah ouais, non, non, non. Impossible que ça me vienne à l'esprit de penser à couper la boîte. Pas du tout. Attends, je me mets là pour récupérer les étincelles. Miam. Donc du coup, à l'intérieur, il y a des photos. Il doit s'agir des victimes de Madison. Alors, on ne voit rien du tout. On voit un peu, là, vite fait. Bon, des jambes, des genoux. Bref, c'est dégueulasse. Bon, on va tout prendre. Eh ben, peut-être que c'est des photos. C'est les photos qu'il faut mettre dans les statues. Peut-être que j'ai pas besoin d'amener des vrais membres. Peut-être qu'il faut que je dépose les photos dans les... Alors, on va voir ça tout de suite, de toute manière. Ah oui. Bon, la boîte, c'est pas nécessaire de... C'est nécessaire, d'accord. Et pour la blague... Ah putain, j'ai dit ça pour rigoler. Ah mais oui, parce que là-dedans aussi, il y avait des photos. Oula, oula, oula. La porte est fermée, j'ai peur. J'avais oublié qu'il y avait des photos dans cette boîte aussi. Bon, on va faire la petite photo. Ah non, c'est pas ça qui interagit. Bon alors, on va relire un petit coup. Du coup, dans l'ordre. Bon, pour le rituel d'échange. Un objet de valeur, la bague. Les 7 sacrifices, donc les photos. Le crâne, on l'a mis. Et il faut des cendres humaines. Oh putain, con. Oh ça, c'est pas bien ça. Elles ont toutes été égorgées. Aïe aïe aïe. Je suis pas fan. Oh putain. Oh putain. Après moi le code. Ouah, ça fait des bruits. On peut sortir ou pas? Ah d'accord. Ça marche. Après l'année 1968, on l'avait déjà placé 1000 fois. Ça va vous sinon? Moi non. Moi pas trop. Ah mais ça coule en continu là, je le vois. Tu es plus triste que les autres toi d'ailleurs. Toi t'es vraiment pas bien. Ah, ça va pas du tout.
Alors, mais est-ce que ça veut dire que des cendres humaines sont apparues quelque part? Ou alors, la personne est là-dedans? Je dois trouver le code à 4 chiffres pour ouvrir cette porte. Il doit se trouver quelque part. Ouais, mais si c'est l'année 1968, là, c'est de la merde. Parce que depuis le début du jeu, j'essaie de la mettre. Je suis rassuré, c'est pas ça. Je suis dégoûté, c'est pas ça. Oh, bah quoi? Ah, mais quand il dit que le code doit être quelque part, c'est qu'il est pas quelque part dans cette salle. C'est qu'il est quelque part ailleurs, en fait. Et oh, wow, ah bon? La cassette numéro 3. Mais elle vient d'apparaître, on est d'accord. Elle a jamais été là auparavant. La porte s'est fermée. Ils aiment trop fermer les portes pour rien. Et on va l'écouter, et le code sera peut-être à l'intérieur du vocal. John, je dois vous souligner à quel point ces démons sont vraiment dangereux. J'ai été témoin de quelques exorcismes par le passé. Tout le monde n'a pas survécu, afin de pouvoir en parler. Ces êtres ne sont pas vivants, ce qui les rend plus forts que nous. Ils jouent avec nous. Ils aiment notre peur, se nourrissent de notre souffrance. Cela leur donne du pouvoir, de la force. Quand l'un d'eux se lie à l'un d'entre nous, il est presque impossible de l'arrêter. Ils jouent avec notre corps, notre esprit, jusqu'à ce qu'ils trouvent ce pourquoi ils sont venus. C'est-à-dire que cette femme est reliée à l'appareil photo. Ils ne sont plus humains, ils sont bien au-delà de tout ce que nous connaissons. Elle n'est plus humaine, elle. Je t'en supplie. Demande de l'aide, je vais enquêter sur cette femme dont tu m'as parlé, Madison Hale. Et je reviendrai vers toi dès que j'aurai trouvé quelque chose. Conservez toutes ces informations loin de votre fils. Débarrassez-vous de cet appareil photo que vous recevrez dès que vous recevrez ce message. S'il vous plaît, soyez prudent. Si votre enfant a déjà été en contact avec cette entité, sa vie, la vôtre et celle de votre famille sont en danger. Maman, Chanel, qu'ai-je fait? Oh non, mais t'as rien fait. Oh non, t'as rien fait, ne t'inquiète pas. Je dois trouver un moyen d'en finir. Oui, non, t'as rien fait, ne t'inquiète pas, tout va bien. Oh non, ça recommence. C'est une belle coupure hein, qu'il a là. Tu peux se plaindre. Ça y est, monsieur, il est dans une maison hantée. Il y a des monstres partout qui veulent le tuer. Il se plaint. Tu sais, il y a pire dans la vie. Des cornes, quoi? De quoi des cornes? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais ça va pas toi? Ah oui, c'est ce qu'il visualise. Je crois que j'ai vu quelque chose comme ça dans la maison. Non. Moi ça me parle pas. Des cornes comme ça dans la maison? Non. Attends. Ne spoilez pas le chat, je vais essayer de me rappeler. Merci de me laisser passer, c'est très gentil. Peut-être que c'est ouvert ici? Non. Peut-être que tu t'es mis là pour un truc important. Des espèces de cornes. Non mais ça y est! Ça y est, on est passé au moment du jeu où il y a tout qui bouge, il y a tout qui se pète partout, c'est ça? Tout allait bien jusqu'à maintenant. Tout était bien, tout était tranquille, et maintenant dans chaque salle où je vais, il va se passer un truc. Toujours fermé. Ah putain! Elles sont là les cornes. Ah ouais, j'avais complètement oublié. Le 8. Attends, mais il y en a d'autres, des machins comme ça dans la maison? Non. Il est vraiment pas bien, lui. Non. Mais ça arrive toutes les minutes, maintenant. Non. Avant, ça arrivait une fois par an, maintenant, ça arrive. C'est la troisième fois que ça arrive depuis le début du stream. Je sens plus mes doigts. Qu'arrive-t-il à mon corps? Je
Je ne sais pas ce que cela pourrait signifier. Oh bah c'est quand même une ampoule. Hein. Il y avait une lumière rouge, mais tout était sombre. Ah, je connais l'endroit où il y a une lumière rouge, c'est justement là-bas. Bon, vous vous souviendrez du 8 pour moi, je vous fais confiance. Le seul endroit où il y a une lumière rouge, c'est ici, juste après le vidéoprojecteur, là. Enfin, c'est pas un vidéoprojecteur, mais tu m'as compris. On l'a toujours pas ouvert, cette salle, on est d'accord, ouais. J'avais oublié. Tu me mets un petit peu de musique, là. Petite musique qui fait peur, là. Je suis très déçu de toi. La lumière rouge est ici. Peut-être que c'est pas celle-là qu'il fallait voir. Hein. Est-ce que tu me fais apparaître un chiffre, peut-être ? Pas trop. C'est le seul endroit auquel je pense quand on me dit lumière rouge. Quoi, le canapé au plafond ? De quoi ? Oh merde ! Oh merde ! Mais j'avais pas vu ! Mais c'est pas bien ! Faut pas faire ça ! Mais il va me tomber sur la gueule ! Mais il y a tout qui vrille là en fait ! Peut-être dans l'ombre, il y a un truc. Absolument rien. Tu n'es pas droit et tu ressembles à des cornes. Mon raisonnement était un peu bête. Je vais refaire un petit tour de la maison. Mais là, comme ça, là... Dans ma tête, c'est le seul endroit où il y a de la lumière rouge. Après, un numéro tout seul, là, le 8, ça me sert à rien, nulle part. Hein. Là-haut, non, il n'y en a pas. Et puis la salle est fermée. En bas... Non, c'est vert, l'ambiance, c'est pas rouge. Et là-bas... Non, là-bas, c'est... Non, je sais pas. Une idée, le chat. Ça, c'est une ampoule rouge, elle est pas allumée. Il y en a pas mal, des ampoules rouges qui sont pas allumées, d'ailleurs. Ah, c'est le premier endroit où les ampoules ont été rouges. Non, ça ne fait rien. Dans le passé, il n'y a pas des couloirs rouges. Mais le passé n'est plus accessible. À moins que je me trompe. Mais je crois que le passé n'est plus du tout accessible, en fait. C'est comme l'endroit avec le puits, hein, il n'est plus accessible. C'est comme l'endroit où on a récupéré le pied des bichets, par exemple, il n'est plus accessible. Peut-être que tu devrais couper le courant. Oh, mais attends, mais c'est excellent! Couper le courant, toute la maison est rouge après. Apparemment, moi, couper le courant, je pensais que c'était le jeu qui décidait quand ça arrivait. Mais non, mais t'as raison. J'ai rallumé le courant, qu'est-ce qui m'empêche de le recouper? Putain, mais ça, j'y aurais jamais pensé. Ouais, le chat, il faut qu'on joue ensemble. Il y a des trucs comme ça qui paraissent ultra évidents. J'y penserai pas. Non, en fait, peut pas. Si, peut-être. Oh putain. Oh putain, c'est trop bien. Vous êtes trop fort. Oh putain, vous êtes trop fort. Ça me serait tellement pas venu à l'esprit. Putain, c'est trop bien. Alors du coup, un endroit où il y a une ampoule. Oh, téléphone qui sonne. Ah non, la sonnette. Non, arrête, pas pardon. Je dois arriver à la porte d'entrée. Mais on ne sait pas où c'est la porte d'entrée. Excusez-moi, le chat, c'est où la porte d'entrée? La porte d'entrée, c'est pas... C'est pas là-bas, derrière le piano. Parce qu'en fait, l'entrée, on peut croire que c'est à côté de la cuisine, c'est là où il y avait la première porte fermée. Je crois que la porte d'entrée, c'est là. Waouh. Waouh. Oh là là. Oh, oh là, je vois rien.
Oh con, il y a plus le piano. Ou s'il s'agissait de rituel, en réalité d'un rituel de sorcellerie. Attends, qui c'est qui parle? Oui, il y a pas de voix là. Cette dernière hypothèse renforce. What? Il y a aucun putain d'échappatoire. Ne fumez pas. Étage niveau G. Oh, j'ai appuyé au hasard. On ne sait pas si les photos faisaient partie des rites qu'elle effectuait. Hein? Shikeblo? Oh, Shikeblo entre l'étage 1 et 2. Les rapports de police. Non, la femme a fini par mourir. Attends, mais j'ai cliqué sur le 3 comme ça pour la blague. Et j'aurais pu cliquer ailleurs. Attends, je vais les faire un par un déjà pour commencer. J'étais à l'étage G, c'est ça, on a dit. On était à l'étage G, ben on va les faire un par un. Peut-être. Merci Luchan1805 pour les 18 mois de resub. Merci Cosmos pour les 4 mois de resub. Merci Sageru Oshino pour les 23 mois de resub. Merci Minkzo pour le tier 1. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Je me demande à quoi servent ces chiffres. 4, 1, 2, et évidemment 3. Oh non, j'aime pas quand on peut regarder comme ça. Madison a muté. Ah, d'accord, ok. Robert Hale, mais c'est. On connaît lui. Mais ouais, faut. On dirait que quelque chose est en train de bouger. La photo un peu plus loin. Il se passe un truc avec l'ascenseur là. Madison a mutilé son corps de telle manière que son visage était méconnaissable. Il avait 75 ans, son corps a été retrouvé en morceaux à l'intérieur du puits avec les autres cadavres. Jusqu'à présent, sa jambe gauche ainsi que 3 de ses doigts n'ont pas été retrouvés. Oh, attends. Ça a bougé ça? Non? Oui? Et comment ça? Ça a bougé ça? Attends, mais le 1 lui faisait pas face. Bon, je comprends pas. Oh là, j'ai rien compris. Ah, si j'ai fait un truc ou si je devais faire un truc. J'ai rien compris. Oh putain, mais ça va être le même étage à chaque fois, je sens. Je le sens arriver gros comme une maison, ça. Quoique, oh là. On voit pas grand chose ici. Ah non, mais y'a des trucs qui changent là. Ouais, je suis pas sûr de comprendre. Qui comprend? Qui comprend? Oui, y a l'air d'avoir un code à faire. Va falloir que je prenne des photos dans un ordre. Il y a des trous partout là. Je peux peut-être casser le mur avec quelque chose. Oh, pied. La biche. Ou le marteau d'ailleurs.
Drake. Drake Fletcher. Ah non, mais il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, j'ai pas encore compris la logique. Oh, voilà. J'ai pas envie de regarder. Alfred Miller. Oh, c'est ouvert. Bon, ici, je prends une photo de ça. Il y a quoi? Alfred Miller, forcément. Et là, le truc, il se tourne. Et c'est le 3 qui se met en face. Donc Drake, machin. Et alors là, pourquoi il n'y a personne ici? Oh là, ça fait un bruit vraiment... En mode, j'ai trouvé le truc qu'il fallait là, non? Oh! Et là, il n'y a rien. Ah, mais à chaque étage, il me donne des descriptions. La dernière victime. Oh, j'ai pas vu. Mason l'a poignardé devant sa porte d'entrée. Les voisins l'ont vu traîner le corps à l'intérieur de la maison et ont averti la police. La femme méconnaissable a été retrouvée découpée en 13 morceaux. Oh. Âgée 35 ans. Et en fait, faut que je dirige le truc vers le bon tombeau, en fait. Si je comprends bien. George Brown, ce n'est pas une femme. Lynn Jamie, R.I.P. My Love. On n'a pas l'année de fin. Bon, je commence à comprendre un peu ce qu'il faut faire. Hein. Ashley Smith. Oh, 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 oh. Y'a quoi? Oh putain. Ashley Smith, 2001? Bah, du coup, 2001, t'as vécu, t'as même pas vécu un an, donc ça peut pas être toi. Et pour moi, la logique, ça serait que ça se mette là. Je suis à l'étage 5. Ah non, pas encore. Ok, à chaque étage, il faut comprendre qui prendre en photo. Si j'ai bien compris, j'ai pas compris. Merci Monsieur Chute pour les 19 mois de resub. Oh oh, j'aime pas. Pourquoi il n'y a pas de monsieur qui parle là? Attends, mais j'ai peut-être faux là. Il n'y a pas de chiffres sur celui-là. Non, mais je pense que je me suis foiré. Attends, je vais avant de revenir là, je vais aller faire l'étage 3 et 2. Hein? Histoire d'être sûr de pas se tromper. Là, je suis pas très à l'aise. Parce que les étages 3, 2 et voir le 1 aussi, je les ai un peu fait au hasard. Surtout les 3, 2. Oh, il y a une photo à prendre, j'avais pas vu. Trop stylé. Donc, âgé de 27 ans, un homme. Homme, 27 ans. Ça fait 27 ans ça. C'est parfait ça. Je vais quand même vérifier les autres au cas où. Bon bah là il y a personne. Et là... Oh là lui il a 90 ans. Bon je m'étais foiré alors, c'est lui qu'il fallait prendre en photo. Mère, 71 ans. Mais ça fait peur ici, t'as pas envie d'y être, hein. Ah, t'as vraiment pas envie d'y être, là. Mais en fait... Quoi, toi, toi, toi? Quoi, toi, toi, toi? Je pensais que j'ai eu le bon du premier coup, là. Enfin, j'avais une chance sur 3, tu me diras. Mais j'ai pas envie d'y aller là.
Bon, si j'entends le you-you, ça veut dire que c'est bon. Je pense. J'imagine que les petits trous, ils sont tous situés au bon endroit, là. Ouais, d'accord. Ok. Chaise, une corde pendue. Vous croyez vraiment que je vais me reculer? Pas du tout, je prends en photo. Le numéro, c'est le numéro 7. On avait le 8, maintenant on a le 7. Oh, c'est la porte avec l'horloge dessus, j'en suis sûr. C'est affreux. C'est affreux, mon dieu. Le you là. Donc ça nous fait 8-7 quelque chose. Ouais, il va apparaître, c'est sûr, il va apparaître là. Préparez-vous, il va apparaître là maintenant là. Oh. J'ai pas peur, c'est fou, je vois pas de quoi vous parler, j'ai pas peur. Ah, à moi. Ah, j'avais pas compris que vous parliez de moi. Pardon, j'ai pas suivi. Hein. Allez, on dit que je trace. Je dis que je trace. Allez, c'est parti. Oui, la clé, c'est vrai, j'ai oublié. Ou alors c'est là. Non. Oh mon dieu, faut se retaper ça. Oh, j'y vais. Oh putain. Ils disent qu'il faut sauvegarder, d'accord. J'y vais en longeant les murs, j'ai trop peur. Et je baisse les yeux, je vous le dis tout de suite, j'assume. Je me chie dessus, j'assume. On va remettre l'électricité au plus vite. C'est affreux d'être dans ces conditions. Ah, ça va un petit peu mieux. Oula, c'est quoi cette salle? Ouh, c'est bizarre ça. Tu rentres et... Oula. Oh non, encore un sous-sol. Oh non, c'est la... C'est la salle des horloges, putain. Bon, il va me faire un nouveau dessin, du coup. My hands. This is what the priest was talking about. That thing is. That thing is feeding off of me. TikTok. Putain, qu'est-ce que ça veut dire ça? La maison est pleine d'horloges. Oui, mais il faut une horloge qui donne précisément cette heure-là, qui est minuit 25 et la petite aiguille sur 40, 42, 43. Bon, et là, on peut rien y faire. Hein. Il y a encore une horloge comme ça. Hein. Faudra s'en rappeler. Alors, minuit 27... Ah non, elles sont toutes à la même heure. Ah, mais merde. Non, pas toutes, regarde. Attends. Non, non, je confirme, elle est pas à la bonne heure, elle. Ah, mais non, mais sur chaque mur, il y a une heure différente. Grand-père avait l'habitude de travailler ici. J'ai un truc à péter. J'ai un pied débiché, une cisaille même. Oula, c'est le monstre ça.
combinaison 9 à gauche et 11 à... on sait pas. Bah à droite du coup. Et en bas on sait pas. 9 gauche, 11. Mais peut-être ça se combine avec l'autre truc qu'on avait vu l'autre fois. Que je me rappelle plus. Bon. Bon, le minuit machin, là, je le vois nulle part. Hein. Et peut-être que c'est ailleurs dans la maison. Mais il y a des horloges un peu partout dans la maison. Alors, 9 gauche, 11 droite. C'était là-bas. Je parle pas parce que je retiens dans ma tête le 9 gauche, 11 droite. Je l'ai oublié. C'est bon, j'ai oublié, c'était quoi? Bravo, merci le jeu. Il est fort, hein. Bon, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'on va là où il faut aller. 9 gauche, 11 droite, et c'est pas là. Merde. Ah merde. Il est où le machin qui me dit Attends, si vous avez besoin de la combinaison, vous savez où est-ce que vous devez la trouver. Il me dessine une horloge. Ah, il me dit que... Attends, je comprends pas. Il y avait pas un... Mais non, mais moi je l'ai pas inventé. Il y avait un papier qui me disait exactement... Ah oui, dans les toilettes. Je crois que c'était dans cette salle-là. Donc on a 19 gonds... Non. Oh putain. 9 gauche, 11 droite, c'est ça? J'ai oublié. J'ai oublié. Ou... Non, j'ai oublié. 9 gauche, 11 droite. 9G, 11D. Ouais, c'est ça. Et 5 gauche. 9 gauche, 11, 5. 9 gauche, 11, 5. 9G, 11, 5. Oh, c'est long, putain, pour la traverser, cette putain de maison, à chaque fois. 9 gauche, 11, 5. Alors, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5. Incroyable. Attends, et ça marche pour celle-là aussi ou pas? Donc, 9, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5. Non, marche pas. Alors on va lire ça. John, mon fils, le temps a défilé pour nous et je suis déjà vieux. Je suis si fier de voir l'homme que tu es devenu, si heureux d'avoir pu profiter des deux petits-enfants que tu m'as donnés, Lucas et Chanel. Je t'écris cette lettre afin qu'un jour tu puisses comprendre tout ce qui traverse actuellement mon esprit et me défaire de cette image de vieil homme sénile que l'on m'a donnée. Dieu existe, mais tout comme lui, Satan aussi. Toute ma vie j'ai refusé d'y croire, mais le temps m'a montré à quel point je me fourvoyais. Ta mère n'était pas malade et je n'ai pas pu empêcher le sort funeste qui l'attendait. Aussi farfelu que cela puisse paraître, Blouknis est réel. Brownies est réel. Pas un seul spécialiste n'a été capable d'expliquer ou de trouver la cause de son état, sans parler de trouver un traitement pour l'aider à se battre et aller mieux. J'aimerais tant pouvoir remonter le temps et lui dire « je te crois ». J'ai essayé de la contacter pendant plus de 15 ans, je voulais simplement pouvoir lui parler une dernière fois. Bientôt, je la reverrai à nouveau et lui supplierai de me pardonner. Cette solitude me rappelle chaque jour combien il est difficile de vivre sans la personne la plus chère à notre cœur. Et j'ai au moins la chance de pouvoir contempler son visage dans chaque pièce de cette gigantesque maison. Concernant le livre, j'ai tenté de le brûler, de le déchirer, de l'enterrer, mais en vain. Il trouve le moyen de revenir à chaque fois. Quoi qu'il en soit, je le conserve désormais en ma possession, sous bonne garde. Je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Merci d'être le fils que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je t'aime ton père, Albert Maxwell. On peut pas le garder avec soi. Non. Il y avait rien, rien, de plus,
Rien d'autre hein? Non, ok. Bon. Oh là là. Oh là là, mais ça je le mets partout. Mais oui. Mais oui. Oh waouh waouh waouh. Ça m'en bloque une pour m'en donner une autre. Et comment je fais pour... Quoi? Quoi? Il s'est passé un truc? Attends, il s'est passé un truc? Ça m'a attaqué? Il m'est tombé dessus le truc? Attends, il s'est passé quoi là? J'ai pas compris. Attends, il s'est passé un truc et... Le jeu... Je suis censé comprendre quoi là? Donc quand t'en mets une, ça en débloque l'autre. D'accord, mais... Quel intérêt. Sachant que moi, il me faut celle. Celle-là, elle est à 9h30. J'avais dit quoi déjà, moi? Minuit quelques, je crois. Oh, t'arrêtes, hein. Il est fou, lui. Mais il y en avait tellement, des petites horloges comme ça. À tellement d'endroits différents. Parce que je me souviens plus, moi, où est-ce qu'elles étaient. Il y avait une là-haut. Je peux aller vérifier vite fait. Tant qu'à faire. Mais est-ce que ça sonne pour me dire que c'est bien ce que je fais? Je comprends pas du tout comment je suis censé savoir si c'est le bon endroit ou pas. On appelle ça le prime, en fait, hein. Voilà. Inspirez-vous, je sais pas. Merci Mezugray, oh là là, j'ai arraché ton pseudo. Mezugray pour le Prime, pour la première fois de ta vie, bienvenue. Merci Minxo pour les 200 bits, merci beaucoup pour ton message. Bon là-bas on est d'accord qu'on peut plus y retourner hein, normalement. Allez, allez, on fait comme ça, ça marche. Et ici il y avait rien, d'accord. Non mais tant que j'y suis, autant être sûr que j'ai rien oublié à aucun endroit. Mais donc il y avait 9h30, là je suis à 5h10, j'avoue que je comprends pas trop. Est-ce que je suis en train de le faire au hasard et je suis en train de d'avoir le bon pattern sans faire exprès? Ou pas du tout en fait? Il y a une logique de à quel endroit je dois amener quelle heure? Oh putain, mais arrête, ça fait trop peur. C'est abusé. C'est fou. Oh non, j'ai trop peur là. Oh, j'ai eu peur. Non, il s'active pour tous hein. C'est vraiment aléatoire, j'ai l'impression. Ah. Mais attends, mais elle est là la blague. Ok, donc là j'ai clairement pas fait exprès, mais je viens de lui amener l'heure qu'il voulait hein. Ah non, pas du tout en fait. Ah non, pas du tout, pas du tout. L'heure qu'il veut, lui, c'est 16h20. Et là, j'ai 12h25. 16h20. Ici, c'est 21h30. Ici, c'est 17h10. Et là, c'est 18h40. Super chiant. Attends, je coupe mon micro tellement c'est chiant. Ouais, je suis de retour, bonjour. Bon, là, on a quoi? On a 11h pile. Il va nulle part. À 10h10. Bah attends, 17h10. Mais je sais où le mettre lui. 17h10, c'est complètement là. En fait. Pas du tout. Waouh, j'ai du mal. Oh, j'ai du mal. Voilà, c'est complètement là, je disais. Et donc lui, il est bon. Donc là, on a. On a 20h moins le quart. Quelqu'un veut du 20h moins le quart? C'est pas vous ça. C'est pas exact. 7h45. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et là, on a. Merde. On a 1h30. Oh, je suis pas réveillé, hein. J'y arrive pas.
Ouais, il faut que j'aille chercher les autres alors. Bon, au moins je sais que le 1h30, il va nulle part. Quoique. Non. Il va pas là. Il va pas là. Il va pas là. Donc je peux l'amener ailleurs le 1h30. Et là on a quoi? On a 17h03. Non, il existe nulle part celui-là. Quoique il ressemble un peu à celui-là, tu me diras. À quelques minutes près hein, d'ailleurs. Ce qui est assez étonnant. Je suis très con moi. Je suis très con en fait, c'est... Non non, je me suis gouré. Waouh, j'avoue que là je suis en train de galérer, mais parce que je crois que je suis pas concentré. Midi 25. Je sais pas lire l'heure en fait, j'ai pas appris. Bon. On va repartir. Faut juste que je me les note quelque part. 16h20. Quelqu'un peut les noter dans le chat pour moi? Ou un modo sur Discord, ça serait trop sympa. 16h20. Putain, mais j'arrive plus à lire l'heure. Qu'est-ce qui m'arrive? 9h30. Bon, alors 4h20, 9h30 et 5h10. Non, le 5h10, j'en ai pas besoin. Je l'ai déjà. Alors, du coup, à la place, il me faut 6h40. Quelqu'un peut me les noter dans le chat. Ah parfait. Merci Vivi. Non mais arrête là, c'est... Non mais c'est lourd. J'avais dit que le jeu était bien parce qu'il n'y avait pas trop de jumpscare là, il n'y a que ça, c'est chiant. Merci Vivi. Ok, je les ai. 4h20, 9h30 et 6h40, merci beaucoup. Et merci le chat aussi. Alors celui que j'avais mis là, on avait quoi du coup ici? Bah là on avait clairement 9h30 en fait. C'est con hein. Eh oui. Bah oui. Il me manquera 4h20 et 6h40. Qui sont à plein d'autres endroits différents qu'on peut aller chercher. C'est vous 9h30? Oui. Là on a... On a minuit moins 10, c'est ça? Ouais. Bon, lui, il nous intéresse pas, minuit moins 10. Donc, on va l'amener ailleurs. Bah, faut que j'aille vérifier celui qui avait juste là, en fait, là-bas, dans la salle rouge. Peut-être qu'il était important. Alors là, pas compris le bruit. Merci, SNRLKS, pour les 6 mois de resub. Je sais pas du tout comment ça se prononce, désolé. Merci, merci beaucoup. Bah c'est vexant monsieur, faut plus faire ça en fait hein. Donc on cherche 4h20, 6h40. Bonjour 4h20, comment allez-vous? Quel hasard de vous trouver là. 4h20, tiens donc. Donc il va nous rester plus que 6h40. Il y a d'autres endroits dans la maison où il y a des... Au tout début du jeu, il y en a une. Je suis sûr qu'elle est là-bas. Il est essoufflé, le garçon. Aïe. Je me suis cogné. Donc 4h20, logiquement, c'est là. Et il me donne droit à 1h30. Ça, on s'en fout. Allez, on va l'amener au début du jeu, ça. Mais il y en avait un dans la cuisine aussi, maintenant que j'y pense. Et là, tu me donnes... le 8h20. On s'en fiche du 8h20. Et ici, nous avons... Ah, le 6h40. Ah oui, on est bon. Ok, très bien. C'est parfait.
Donc il y en a deux en trop, enfin, en trop pour l'instant. Peut-être qu'ils seront amenés à être utilisés plus tard pour autre chose. Mais vu qu'ils sont scellés, condamnés, faudrait que le jeu m'en donne un autre. Tu me dirais, il m'en donne maintenant. Ah, ben non, je vais pas pouvoir le prendre. Alors je peux le prendre. Et je peux pas le prendre. Il ne sera plus utilisable donc. D'accord. Ça va ouvrir ma petite porte là, non? Non, non. C'est elle que je dois prendre en photo. Pas du tout. Parce que moi dans mes dessins, je disais dans mes dessins, qui sont là... Là, là, TikTok, elle a cette forme-là. Minuit 25. On dirait que c'est elle quand même. Est-ce qu'il y a une horloge qui fait minuit 25 quelque part? C'est le moment de la trouver. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il souffle? Ah merde, mais en fait je me suis pris trop la tête, fallait pas chercher minuit 25. Le 4. On a le 8, on a le 7. On a maintenant le 4. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas un minuit 25 quelque part par hasard. Apparemment non. Bonjour. Oh. Il semblerait qu'il n'ait... J'ai pas eu le temps de lire en fait. Je prends. Et tu sais ce que je vais accrocher là? Tu le sais? Je vais accrocher ça. Oh non! Arrête! Tu déconnes. Bah... D'accord, je peux raccrocher ça. Non mais il me faut des... J'ai compris hein. Il me faut des aiguilles. Faut que j'aille chercher des aiguilles quelque part. Et vous me dites que ça, je peux pas le reprendre. Et vous me dites que je peux pas accrocher le parpaing alors qu'il... Ça marche trop bien là. Il veut pas. Hein. D'accord. Bon. J'ai pas vu ce qu'il a dit. Putain non mais là je suis bloqué. Faut que je fasse un truc là. Après tu me diras, j'ai 3 numéros, je peux trouver facilement le dernier. Hein. On a dit quoi? 8, 7, 4. Oh ta gueule le jeu. Non ta gueule. 8, 7, 4. Ah bah tiens il va me faire un petit dessin. Ok, c'est juste que le jeu devait me donner... Le scénario s'était pas encore lancé en fait, c'est pour ça. Le script n'avait pas avancé. Il s'était pas enclenché, autant pour moi. Ouais, j'imagine que tant que j'ai pas le 4ème numéro, le jeu m'autorise pas à trouver par hasard le dernier. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dessiner? Il doit y avoir une combinaison ou quelque chose. Ah, oh, super. Ok, je vois très bien ce que c'est le coffre. Par contre, je viens d'y penser, la chaise dans l'œil. On l'a pas validé, ce dessin. C'était quoi, la chaise dans l'œil? Bon, alors. Comment on comprend ça? Je tourne de 3... 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors 4, 8 et 3, 4, 8 et 3, je suis pas sûr d'avoir bien lu le machin. Ah, c'était la statue? La chaise au milieu là, tu crois?
peut-être. Putain, le canapé au plafond, lol. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ok, c'était ça, d'accord. C'était pas évident à comprendre. Waouh, des sous-sous, mais surtout une clé-clé. La clé de Johnny. Ok. C'est où la chambre de Johnny? À moins que ce soit le bureau qui est juste après ça, d'ailleurs. Ouais, ça doit être une des deux portes qui suit là, juste après, qu'on n'a pas encore pu ouvrir. Genre celle-là. Ouais, j'y crois. Ça va faire peur, attention. Hein. Ah non, en vrai ça va. Oh, bah il y a un système de poids, ce que je vois ici. Oula. Avant, c'était la chambre de papa. Que s'est-il passé ici? Pour sauver l'oiseau, le lapin saute dans les airs, laissant tous ses amis derrière. Le serpent reste sous le rat. Ok, d'accord. Il y a un truc d'animaux à placer avec les poids, d'accord. Donc pour sauver l'oiseau, le lapin saute tout en haut. Alors tout en haut, il y a le lapin. Lapin, rat, serpent, requin. Ok, on me parle. Lapin... Attends, le serpent reste sous le rat. Oui, c'est ça. Lapin, rat, serpent. Il va me manquer un poids, moi. Ah, bah justement, bonjour. Après, faut voir lequel est plus lourd que l'autre. Donc, on a dit lapin. Eh bien, je me suis trompé. Il va falloir échanger. Donc, lapin, rat, serpent et requin tout en bas. Pour moi, c'est ça qu'il fallait faire. C'est pas ça qu'il fallait faire. J'ai mal lu, c'est possible. Le lapin saute dans les airs, laissant tous ses amis derrière. Le serpent sous le rat. Et le requin, les profondeurs. Le serpent sous le rat. Mais peut-être que c'est l'inverse, en fait. Peut-être qu'il faut le faire dans le sens inverse. En mode, il faut pas partir d'en haut, mais il faut partir d'en bas, peut-être. Bon, de toute façon, s'il se passe rien, c'est que... Et si je t'accrochais ça? Ah, il faut quand même les enclencher, je crois. Oh, saloperie, je peux plus le récupérer. J'ai pété le jeu? Non, bah non. C'est prévu par le jeu que je déconne, moi. Ah, peut-être c'est une photo. Ah oui, t'as raison. Putain, je suis con. Oh là là. Et donc, du coup, là, le lapin, il est... Bah, il est au-dessus du... Ah non, il est en dessous, tout va bien. C'est donc le livre dont tout le monde parlait. Ah, les genoux bleus. Eh bien, on va l'ouvrir. Oh là là. Ok, Gollum. Il y a fort longtemps, il y avait une créature dont le nom était inconnu. Souvent aperçu seul, il vivait dans la plus grande solitude. Durant une nuit glaciale, il se sentit si maussade et chagriné qu'il tomba dans un sommeil profond pendant 2 jours entiers. Oh non. Oh non. C'est quoi la creepypasta? Ace Jack. Lors du 3e jour, il se réveilla dans l'obscurité la plus totale. Il avait contracté une maladie oculaire si grave que ses 2 yeux disparurent dans les ténèbres. On va aller chercher ses yeux. La créature se glissa alors, tant bien que mal, hors de son lit. Elle commença à ramper sur le sol, cherchant ses yeux qu'elle pensait avoir simplement perdus. Il glissait et roulait à terre à tel point que ses genoux devinrent douloureux et bleus. Depuis que ses yeux étaient tombés de ses orbites,
ils étaient en réalité devenus poussière. À ce jour, il n'y a pas le moindre indice. Cependant, ce n'est pas une excuse pour mettre fin à ses recherches. Ça c'est flippant, ça. Oh ! À partir de maintenant, méfiez-vous de ces yeux fugaces et assurez-vous d'allumer chaque lumière. Votre propre vue est en jeu si vous êtes dans l'incapacité de vous échapper. Oh, tout a changé autour de moi. Je suis dans un autre endroit. Il craint la lumière. Oh, ça va être horrible. Oh là là, ça va être horrible. Le jeu là, le gameplay là, ça va être une catastrophe. Ah, oh, ça va être horrible ce qu'on va devoir faire là. Ça va être horrible. Il craint la lumière. Utilisez quelque chose qui puisse l'éblouir pour vous protéger. On va faire des selfies de lui, ça va être trop bien. Oh non. Oh non. Oh non. Hey, hi. My name is Johnny. La salle a changé. Ah bon. La porte est fermée. Oh putain. Non, mais il n'y a pas que la salle qui a changé. L'ambiance a beaucoup changé aussi. Il y avait un truc là, non? Je pouvais pas interagir avec un truc là? J'ai rêvé? Ça va pas être bien, hein, ce qui va se passer là. Le marteau. Ah non, pas le marteau. Ah. Ok, ça a ouvert la porte, déjà, pour commencer. Oh. Ah. Ah. Oh les gars, je suis pas bien. Ok, ça va être très chiant. Ça va être affreux le jeu. Ça va être trop chiant. On va faire que mourir. Mais en plus, je suis censé aller où là? Attends, mais on est où là? Attends, je comprends pas. C'est quoi ça là-bas? Pourquoi? Attends. Ah! On a fait le tour de la pièce, d'accord. Mais je suis censé aller faire quoi moi maintenant? Je vais le suivre. Le jeu veut que je... Ok, oh là là là, tout a changé. Blue Knees, la statue est là, la télé n'est plus là. Oh putain, ça a ouvert une porte qui était jamais ouverte jusqu'à maintenant, c'est nouveau. Je ne veux pas dormir seul, Blue Knees éteint toujours les lumières. Ah ouais, énorme. Attends mais... Attends mais ça c'est la chambre de la mère et à gauche c'est les toilettes. Ah non, attends, ça a changé là. C'est pour ça qu'elle disait qu'elle s'était perdue dans la maison, tu m'étonnes. Hein. Putain, c'est Bob l'éponge qui chante. Blonis est derrière et va trouver ce qu'il cherchait depuis si longtemps, tout seul chez lui, à sa place. Ah putain, il y a un œil. Mais comment j'ai fait pour l'avoir? Mais quoi? J'ai même pas capté qu'il y avait un œil. Peut-être dedans. Ah j'ai pas... Oh putain, j'aurais pu ne pas le voir. Bon, je le ramène alors. Dans le trou, j'imagine. Fermé. Oula, il y a un trou dans le mur qu'il n'y avait pas avant. Oh, j'ai pas réussi. Oh non mais c'est trop long. En fait faudrait que je marche avec l'appareil photo, je crois. Faudrait que je marche avec l'appareil photo. C'est trop long à sortir l'appareil et faire une photo. Oh, c'est trop dur. Et oui, non ils m'ont dit il faut que je lui mette de la lumière pour le faire fuir, mais Il m'est mis lent à sortir l'appareil. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai toujours l'œil. Ouais, ok, bon bah je me suis téléporté, je suis allé plus vite que prévu. Voilà, bon j'imagine qu'il en faut un deuxième. Ah ok, chiant. Donc en fait je vais me balader. Je peux courir? Ah, je peux courir en même temps. Ok, intéressant. Attends, il y a un papier là-bas. Donc ça veut dire qu'il faut sûrement que j'aille là-bas. Merde, putain, je suis con. Ah, c'est chiant, ça. J'ai un nouvel ami, il s'appelle Blue... Genou Jaune.
Ah ouais, mais là-bas, il y a une autre musique à se faire. Attends. Ah oui, ça nous... Ah non, mais d'accord. Je l'aime bien, la musique, en vrai. Il écrit BK derrière. C'est pas pour Burger King, ok. C'est pour Bleu Genou. Quoi? Il est où? Il est là. Allez, ça dégage. Et moi, je récupère l'œil. Enfin, si œil y a. Œil y a. Pourquoi il le prend pas? Allô? Garçon. Pourquoi je peux pas l'avoir, l'œil? La musique est pas finie? La musique est finie? Bah. Bah. Tu vas pas jouer jusqu'au bout? Oui, mais je peux pas le faire tourner plus. Je peux plus interagir. Bug. Pensez que... Ou alors peut-être que... Pensez que j'ai bugué le jeu. Vous pensez qu'il faut que je relance la sauvegarde vite ou pas? J'ai pas... Je connais pas bien... Enfin, je connais pas le jeu, moi, donc je sais pas. C'est normal, ok. Merci. C'est l'info dont j'avais besoin, le chat. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Mais en fait, il y en a plein. Ah, il y en a, c'est des fausses musiques. Et c'est pour ça, il va venir nous attaquer. Des fois il nous attaquera, ok, je comprends. Donc c'est pas un bug. Pour faire apparaître l'œil, faut faire la musique en entier. Ah ouais, d'accord, ouais, maintenant, mais je comprends pas, comment je fais pour savoir? Attends, mais comment je fais pour savoir, moi? Comment je fais pour savoir si je peux faire tourner ou pas? La lumière s'éteint quand elle arrive. Ah oui, ça paraît logique, oui. Bon, bah, je vais le retenter, hein. Puisque je l'ai pas fait. Donc dès que la lumière s'éteint, on lâche tout et on sort l'appareil. Ok. Lumière s'éteint. Donc là, il va arriver. Pas du tout en fait. Il faut le, ah, faut le reprovoquer en faisant deux fois la musique comme ce que j'ai fait tout à l'heure peut-être. En fait, j'ai essayé d'écouter, voir s'il allait avoir un son qui me faisait dire qu'il allait arriver. En fait, c'est un peu aléatoire, je crois. Je comprends pas. Et par contre, il a traversé le mur. C'est une folie de comment je peux l'anticiper, comment je peux le prendre en photo. S'il traverse le mur, hein. Il apparaît dans la salle directement. Bon, on va laisser tomber cette salle. On va essayer d'en trouver une autre. J'espère juste que c'est pas dans cette salle-là, dans cette salle-là qu'il y a le vrai œil. On va laisser en faire une autre. Par exemple, celle-ci, tu vois. On l'a pas faite celle-ci, je crois, non? Ben, je comprends pas, la lumière s'éteint. Alors je l'attends, mais il vient pas. Mais après, elle s'éteint longtemps, je comprends pas trop. Il fait un grognement. Mais putain, mais vous entendez un grognement, vous? Avec la musique? Ouais, moi j'entends des bruits.
C'est pas un... C'est bruit de meubles qui bougent, je dirais. Je peux pas faire petit... Allô, mon appareil photo? Je peux pas faire petit à petit puisque la musique recommence à chaque fois au début. C'est hyper dur comme gameplay, putain. J'entends des roulettes. Je me dis que ça doit être ça le bruit. Mais non, c'est pas ça. J'essaie vraiment de comprendre c'est quoi le bruit qui le fait venir. Et ça recommence du début, mais à l'aide. En fait, je déteste la musique. J'ai dit tout à l'heure que je l'adorais, je la déteste. Et là, il y a de la voix. Il fait aucun bruit. Mais il fait aucun bruit, je suis désolé. Il fait absolument aucun bruit en fait pour venir. Y'a rien, y'a rien du tout. En fait, faut juste le tuer une fois et espérer qu'il te rattaque pas la deuxième fois. Et tu le fais à fond. Je vais le faire à fond, j'ai quand même essayé d'écouter mais... Pourquoi ça se répète? Ah mais la musique elle a pas de fin. Ah mais je crois que la musique elle a pas de fin. En fait c'est peut-être un moyen de l'attirer vers nous. Ah c'est fermé là tiens. Ouais, d'accord. Quoique un couloir ça peut être facile. Ah mais c'est ça ces bruits. C'est des bruits je pourrais pas dire. Mais des bruits qui se rapprochent. Et bon, c'est dur, hein. C'est dur à entendre, hein. Surtout avec la musique. Et l'œil, il est bloqué dedans. Donc c'est pas le bon. Peut-être qu'il faut trouver un œil qui me regarde à l'occasion. C'est marrant qu'on repasse par toutes les salles qu'on a découvertes dans le jeu. Ça arrive. Quel côté, je sais pas. Là. Quoi? Mais frérot, la photo. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est passé derrière une poutre au moment où j'ai pris la photo, sans déconner. Oh non. Oh non, putain, j'en chie, ça y est. Il s'est caché au moment où il est trop fort. Hein. Trop fort, il s'est caché. Oh là 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 là. Cette partie de gameplay, elle m'amuse pas, oh là là. J'en chie. Ah non, attends, c'était là-bas.
Esquive de la loutre. là. Mais viens une fois au moins. Viens une fois. Comme ça je peux le faire tranquille. Mais non, c'est des bruits de fond, ça, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est pas lui, je crois. Ah ! Voilà, j'ai attendu qu'il soit proche de moi. Ça fait peur, hein. D'années. Oh bah j'aurais su d'avance qu'il viendrait pas de là alors. Attends. Non. Je vais aller là-bas maintenant. Tiens, mais c'est qu'on s'y perdrait, hein. Mais c'est qu'on s'y. Oh, photo bleue. What the fuck? Collection des. Attends, mais maintenant il y a des photos bleues à trouver. Il y a des photos rouges et aussi des photos bleues. Mais comment? Maman m'a pas prévenu. Oh, ça fait peur là. Oh. D'accord, il y a un truc là et. Ah, il y a mon coffre, il est toujours là. Et là, c'est fermé. Ok. Attends, il arrive. Hein. Allez, parfait, on enchaîne comme ça. Putain, il arrive vite. Et il se parle au bon. Putain. Tu déconnes. Faut falloir encore fouiller. Oh, dommage. Je pensais que c'était le bon, lui. Bah, c'est pas grave, on va chercher. On va s'enfoncer toujours plus profond dans le labyrinthe. Fermé. Je vais m'équiper quand même. Oh, merde. Mais celui-là... Attends. On n'est pas en train de faire le tour, là, des fois. Eh, si, je crois qu'on fait le tour là. Je crois qu'on a fait le tour là. Donc du coup... Bah du coup il y a celui des toilettes que j'ai pas encore fait. Parce que je me suis fait tuer plusieurs fois là-bas. Il n'y avait pas d'autres là-bas, on est d'accord. Ah mais si, justement, si. Celui des toilettes dont je parlais à l'instant. Oh mais il est dur hein. Attends, je vais vérifier s'il n'y en a pas encore un autre après. Juste... Oh, stylé ça. En fait, dans... Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il a dit que j'avais des jolis yeux. Mais c'est formidable. Je suis ravi. Attends. Oh, oh, oh. Bon, il nous en reste qu'un à faire, c'est celui des chiottes. Hein. Mais c'est le plus dur. Hein. Bon, vas-y, viens. Viens. Voilà. Viens, approche-toi. Voilà. Comme ça. Je vais me le faire d'une traite. Allez, dépêche-toi. Ouais, vraiment, ici, cet endroit, il est compliqué parce que... Surtout, j'ai eu l'impression qu'il apparaissait juste là, dans l'angle à gauche, là. Il traversait le mur. En fait, faut l'avoir une fois, je pense, et après, il me laisse le temps de faire la musique. Allez, fais-moi ploup. Fais-moi un ploup. La musique redémarre. Oh là là, envie de crever. Mais quoi? Mais quoi? Oh putain, j'ai tout fait. J'ai pas tout fait non mais... Oh putain, j'étais sûr que c'était celui-là le dernier. Après ça aurait été bizarre que... Non, celui-là il m'en a pas apporté un bon.
considère que les portes fermées, ça veut dire que c'est fermé. Donc ça, c'est la chambre du début. Alors, s'il arrive, je suis... Oh ! Oh, il arrivait tellement proche de moi, là. J'allais dire, s'il arrive, je suis dans la merde, parce que je sais pas par où il va arriver, mais... Bon, ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Attends, c'était quoi là-bas déjà? Ouais, ça j'ai fait. D'accord. Je suis parti là-bas au moins. Attends, j'ai pas vu ça. Il n'est plus mon ami, il veut seulement jouer avec maman. Oula. J'ai un doute sur celui-là. Putain, c'est peut-être le premier que j'ai fait en fait celui-là. Et oui, il marche plus. Oh les gars, je les ai tous faits. Comment? Il est pas sur moi des fois le. Mais je les ai tous faits. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Je les ai tous faits. Ah, mais celui-là on l'a fait aussi. Il n'y en a pas un ici là dans l'entrée des fois. Attends, il va arriver. Il arrive là. Vous avez une idée de ce que je dois faire? Tu crois qu'il y a un ordre? Il y a deux couplets? Mais non, il n'y a pas de couplets, tu te fous de ma gueule. Arrête. Tu te fous de moi. Faut que je le fasse d'un coup deux fois la musique. Peut-être qu'il y en a que j'ai pas fait à fond, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'ils font pas apparaître. On croit qu'ils sont à l'infini, mais non, faut le faire à fond en fait. T'as peut-être raison, merde, putain. Un ordre, je pense pas, sinon j'aurais des indices. Ah oui, c'est pas les mêmes paroles. Oh, il y a un bloop. Mais oui, t'as raison. Oh, putain, t'as raison, faut les faire tourner plus longtemps. Mais je vais crever avec celui des chiottes, moi. Ah ouais. Mais on va en chier. Mais on va en chier du cul. Ah ouais. Celui-là il a fait ploup. Ouais, celui-là il a fait ploup très très vite, hein, d'ailleurs. Oh là, il arrive. Ok, il est crevé. Je vais essayer de m'en faire un vite. Celui qui est au bout du couloir là, à droite là. Ah non. Non, celui-là on l'a déjà fait. Oh non, putain. Vas-y, il faut que j'en fasse vite là. Faut que j'en fasse vite avant qu'il arrive. Celui-là on l'a fait. Non, celui-là on l'a pas fait. J'espère qu'il sera pas trop long, parce que j'ai pris la photo il y a un pas juste après lancer la musique, quoi. Merci Loulou Gros Louis pour les 8 mois de resub. Merci Lou Napolitain pour les 4 mois de resub. Merci Lucius 001 pour les 6 mois de resub. Merci Just Amy pour les 45 mois de resub. Tu veux, mec. Oh, c'est le bon. Let's go. Ah, il faudrait peut-être le prendre. Sinon, ça marche pas. Je suis prêt, là, je suis prêt. Faut que je retourne dans la chambre, moi. Qui est juste là, d'ailleurs. Donc, grand-mère n'était pas malade du tout. C'est cette chose qui l'a vraiment tué. Ouais. Oh putain.
Qu'est-ce que quoi? D'accord, d'accord. J'ai pas peur. Hein. J'ai pas peur. Bon, là, faut juste attendre que le monstre m'attaque. Qu'il me saute au visage, je pense. Non? Ou alors faut que je fasse autre chose? Faut que je prenne ça en photo? Ah oui, putain, je suis con. Je prenais tout en photo sauf le truc. Hein. Je prends battre. T'es où? Oh, j'ai aucune idée de où est le plafond, où est le sol. Faut que j'aille vers la musique. Ah d'accord. Non, fallait juste que je prenne une photo peut-être. Oh putain! Oh saloperie quoi, c'est pas possible. Il m'a buté, mais dans la vraie vie quoi. Ça faisait pas partie du jeu, ça a été un vrai game over, donc il y avait un truc à faire. Ah, quoique, ça faisait partie du jeu de se faire buter. Et c'est vraiment pas cool. Hein. C'est vraiment un bâtard le jeu. Il est pas bien mon perso, il est pas à l'aise. Oula, mais ça titube. Il y a des serpents, des lapins un peu partout. Mais il est mal en poing. J'ai pas un objet sur moi, non? Tu veux pas te coucher un peu? Tu veux pas t'allonger là sur le... Non? Il essaie de crever, je sais pas. Qu'est-ce que... Tu veux qu'on aille où? Tu veux qu'on aille où? Non mais c'est vrai, vraie question là, tu veux qu'on aille où là? Oula mais... Ça va pas du tout. On va au téléphone? Oula mais mec... On va suivre mamie? Oh mamie, t'es cul nu. Mamie. Le cucu de mamie. On va pas pouvoir s'échapper hein, si on se fait courser là, je vous le dis. Oh mamie, j'ai vu ta fesse. Le chat, quelqu'un a dit It's a mommy, Mario. J'ai pas eu peur en fait, c'est juste que je m'y attendais pas. Putain j'avoue. Mais pourquoi j'ai pas la ref? Pourquoi j'ai pas eu cette ref? Dis mamie. Avant ça, pourquoi t'es toute nue? Putain, y'a mamie qui est toute nue, ça fait une référence directe aux paroles de mon clip. Et j'ai même pas tilté. C'est quand même incroyable ça. Ah, vous voulez pas que je passe? Vous pouvez pas utiliser l'appareil photo, ah c'est triste. Je pleure. Avant ça, pourquoi t'es toute nue? Putain, con d'avoir mis ses parents. Il fallait juste un truc qui rime en U. Et j'ai dit, ben ouais, on a qu'à écrire pourquoi t'es toute nue. Ça sera drôle. Est-ce que c'était drôle le chat? Ça, je sais pas. On va chez papy. Pensez qu'elle est ouverte la porte là-bas, un peu. Et elle est pas du tout ouverte. Allez, ouais, je vais même pas l'essayer. Il en peut plus, vraiment. C'est vraiment, il est au bout de sa vie là. Mais on va aller. Non, mais j'espère que j'ai pris le bon chemin, parce que sinon ça va être très long de tout refaire en arrière. Oh mamie, elle est pas toute nue. Oh mamie, t'es pas toute nue, relou quoi en fait. Chiant un peu, non? Alors, elle est où à votre avis, mamie? Oh, mamie, y'a plus le livre, t'es ici, mamie? Ouais, la porte est fermée, hein. What? On parle? Bah, attends, j'ai eu un numéro? Ah, mais j'ai peut-être eu un numéro, je m'en suis même pas rendu compte. What? J'ai eu le numéro 3, mais quand? Ah merde! Ah, j'ai pas tilté, tiens. Donc. 8, 7, 4, 3, hein, c'est ça? 8, 7, 4, et le 3. Les cendres! Bonjour!
d'Elizabeth Maxwell. Clou, clou. Bah c'est très bien. Oh merde. Bah y'a plus de cendres, tiens. Merde, mais j'ai pas regardé. Pourquoi y'a plus de cendres? Ah, j'ai écrit un truc. La tête de papa. Le fils pendu. Ah, la tête de papa était barrée et il écrit le fils pendu. Ils veulent que je me pende, je pense. Allez. On s'en finit. Vous voulez que je pose un truc, là? Ah. Petite photo, petit selfie pendu, là. Petit retardateur, t'auras droit qu'à une chance. Hein. Mais si ça, c'est pas une invitation. Hein. Mais ferme la porte. Bon, bah allez, go. Hein. C'est bizarre parce qu'il y avait encore une porte qui était fermée. Je crois. Ouais, il y avait... Quoique, non, peut-être pas. Peut-être qu'on est à la fin du jeu. On est à la fin du jeu? On est pas à la fin du jeu, si? Non, pour moi, c'est pas encore fini. Il y a encore des trucs à découvrir, je crois. Il y a encore des petits secrets. Non, en fait, non. Maintenant que j'y pense, j'ai vu tous les secrets qu'il y avait à voir. Ah, regarde la statue. En fait, il y avait une porte qui était fermée, mais je pense que c'est la porte de la chambre de Johnny. Et comme il y avait deux portes, j'ai dû confondre. Je pense. Mais non, mais il tourne le dos à l'appareil photo, ce con. Oh, il va prendre que ses fesses en photo, c'est trop dommage. Oh, c'est rigolo, tu me diras. Et ça, c'est mon fiac, la dernière fois. Oh mamie! Oh mamie con! Tu fais un câlin? Tu fais un bisou? Tu me fais un jumpscare mamie? Juste avant de mettre l'écran titre du jeu? Oh mamie! Vas-y! Crie, crie! Grosse tête sur l'écran, vas-y! Et après t'écris en gros Madison! Vas-y! Vas-y mamie! Nous déçois pas! Allez, le flash de l'appareil photo. Mais non, il y a eu un flash d'appareil photo, l'appareil photo a pris une photo. Mais vraiment, comment on a pu l'anticiper, le deviner, c'est fou ça. Alors là, pour aller voir la photo, ça va être compliqué. Hein. Du temps à mourir ce con là, c'est bon, allez. Allez là. Elle est toute noire la photo, elle a pas d'encadrement blanc. Ah, ils veulent, c'est vraiment très très RP hein, ils veulent vraiment qu'on le vive. Pourquoi? Si, finir le jeu en moins de 6 heures. Oh, cool! Le cauchemar est terminé, terminer le jeu. Mais attends, le mec revit? Mais attends, excusez-moi, je suis le seul à n'avoir pas compris. En fait, il meurt, mais il meurt pas. Il peut pas mourir. Ou alors, il revit en tant que démon qui va hanter la maison. Attendez, je coupe le son parce que des fois, ça c'est. Test. Ouais. Madison! Oh! Le titre du jeu après un jumpscare final, je m'y attendais pas à ça. Bon après il y a un DLC qui est prévu du jeu, donc peut-être qu'il y a une autre histoire avec lui, toujours, bah peut-être pas dans la même maison, ça m'étonnerait. C'était intéressant, en vrai j'ai vraiment passé un bon moment, le jeu était vraiment bien je dois avouer. J'ai pas eu trop peur, sauf les jumpscares gratuits que tu peux pas anticiper. J'ai pas eu trop peur, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai adoré les énigmes, sauf peut-être dans l'église qui était un peu chiante. Il y en avait certaines qui étaient un peu tirées par les cheveux, mais après quand tu t'y posais un peu, tu te disais, mais non, en fait c'est assez logique. Oh non, hop, parfait. Merci à Ririnateuse Salty Baguette. Ouais, toujours plus chiant le pseudo. Merci d'avoir traduit en français le jeu, nous avoir permis de le découvrir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je disais? Ouais, ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, moi,
c'est le fait qu'on faisait plein d'allers-retours dans la maison et on devait se rappeler que, alors oui, ça, ça servira plus tard, alors on n'a pas encore ça. En fait, c'était un petit peu, est-ce que je peux me le permettre de le dire ? Est-ce que j'ose le dire ? Le jeu, c'était un petit peu un Metroidvania, j'ai envie de dire. Un Metroidvania dans un jeu d'horreur, je trouvais ça vraiment très sympa, avec des énigmes. Je trouvais ça très cool, et c'est, j'ai vraiment aimé cette idée de... Limite, j'ai vraiment préféré les moments où on était toujours dans la maison, tu vois, dès qu'on en sortait. Par exemple, l'église, on n'était pas dans la maison. Ah ouais, ça c'est le... Ah ouais, donc on recommence le jeu à zéro, quoi. Ouais, non, j'ai vraiment adoré la maison, parce qu'on y a passé, voilà... 5 heures à peu près dedans, on la connaissait par cœur, on connaissait tous les endroits, et on savait toujours où est-ce qu'il fallait qu'on aille et tout, et à la fin, quand ils nous donnaient des petites énigmes en mode rechercher ça et tout dans la maison, on savait où est-ce qu'il fallait aller. J'ai beaucoup aimé apprendre à connaître cette maison et à y être régulièrement. Non, vraiment, j'ai beaucoup kiffé le jeu. Attends, j'ai quitté. Je quitte. Bah alors, le DLC, il faut que je regarde quand est-ce qu'il sort. Oula, quand est-ce qu'il va sortir, je veux dire. Je quitte le jeu. Donc, j'ai fini le jeu en moins de 6 heures. Alors, désolé, hein, je vais regarder vite fait. Alors, Madison DLC. DLC. Mais il est sorti ou pas encore ? Attends, comment il s'appelle le DLC, on a dit ? Putain, j'ai pas vu. J'ai pas bien regardé. Possessed Camera. C'est ça le DLC ? Non, pas du tout. Ça, c'est pour avoir des customs de caméra. Merde. Comment il s'appelle ? The Maxwell Curse, c'est ça ? Ouais, c'est ça, je crois. The Maxwell Curse, ok. Attends, je vais voir s'il existe, peut-être qu'il n'existe pas encore. Hein. Madison. The Maxwell Curse annoncement Steam. C'est pas encore sorti alors, cette histoire. Hein. Peut-être que si, j'en sais rien. Alors attends, ça a été tweeté en octobre 2023. DLC coming soon. Mais après, le truc, c'est qu'il me proposait pas sur la page du jeu d'aller sur la page Steam, c'est qu'il n'est pas encore sorti, j'imagine. Je cherche. Je suis sur leur Twitter, là. Non. On parle pas trop. Je ferai des recherches peut-être après hors stream alors. Non, il y a juste écrit DLC coming, mais ils n'ont pas donné plus d'infos. Ça, c'est bizarre ça. Oui, c'est bizarre ça. C'est étrange cette histoire. Ouais, donc je sais plus ce que je disais par rapport au jeu, mais j'ai vraiment beaucoup kiffé le jeu. C'était une bonne recommandation. C'est mon pote Kai qui me l'a recommandé. D'ailleurs, donc merci à lui pour sa bonne reco. C'était vraiment très très bien. Et voilà. À couper la petite rediffusion de YouTube. Donc on aura fait le jeu en 4h30. On aura fait le jeu. Un peu moins de 4h30. C'est pas mal. Putain, je m'attendais à un petit peu plus. Je m'attendais à 6h pour tout vous dire. Non, 4h30, c'est pas mal. Très bien. Au revoir YouTube.